Bonjour tout le monde, yepa. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer en fait le thème de ma présentation en fait à la gestion des contrats et notamment par exemple des contrats d'assurance multimédia proposés par des grandes enseignes et proposés par la société française d'assurance, la SFAM notamment. Alors pourquoi est-ce que je procède à un contrôle interne en fait des contrats de cette grande surface? Parce qu'en fait, on note de la part de consommateurs de nombreux prélèvements abusifs. Alors, c'est des prélèvements abusifs qui vont aller de 15, 30 euros à des 4 euros, 5 euros, voilà, parsemés un peu sur votre compte bancaire. Alors, la problématique, elle vient d'où? C'est qu'à ce jour, vous avez tous pu constater et noter qu'en fait, à chaque fois que vous allez dans une grande surface, que vous achetez quelque chose, vous avez une sacrée pression qui est exercée par les vendeurs, en fait, et des enseignes que je ne vous citerai pas ou que je pourrais vous citer. Dans le cas de figure ici, c'est une personne qui me sollicite avec des problèmes. Elle est partie acheter un appareil photo. On lui a fait souscrire un contrat d'assurance en fait à la volée par voie électronique. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, elle se retrouve avec des prélèvements alors que soi-disant, il y avait un mois gratuit et qu'elle a bien arrêté et elle n'a pas donné suite à son contrat. Mais pour autant, elle a quand même des prélèvements. Donc voilà. Ce qu'on constate, c'est que vous êtes nombreux. Donc du coup, tant qu'à rétablir l'équilibre pour cette personne, mais j'ai souhaité faire profiter un peu tout le monde. Donc voilà, alors parmi les types de contrats que peuvent vous faire souscrire ces enseignes, on a souvent en fait les assurances multimédia, casse, vol, perte, oxydation. Donc ça, c'est l'exemple du contrat SFAM. Mais il y a également des choses très très graves parce que j'avais vu des grandes enseignes ouvrir en fait des comptes bancaires à des gens, à des comptes de crédit, de paiement, en 10 minutes top chrono avec une vendeuse. Alors vous allez ouvrir un compte dans une banque, on vous dit que non, vous êtes un client risqué. Par contre, dans une grande enseigne, vous pouvez le faire en 5-10 minutes. Et les gens ne se rendent même pas compte parfois qu'en fait, en achetant un meuble ou autre, je peux parler d'Alinéa par exemple, hein, j'ai vu des cartes de crédit faites en regardant des amis la souscrire, franchement, en 5-10 minutes, top chrono. Et quand vous demandez en fait à votre ami, non mais tu te rends compte de ce que tu viens de souffrir, de souscrire et des engagements, mais la personne ne s'est même pas rendue compte qu'en fait elle a ouvert carrément un compte bancaire en fait et un compte de paiement avec le partenaire de cette grande enseigne. Donc attention, méfiez-vous vraiment, soyez hyper vigilants dans tous les domaines des assurances ou bancaires. Attention à ces grandes enseignes parce que ces grandes enseignes fonctionnent en partenariat avec des tiers et c'est bien là-dessus sur les contrats qu'ils établissent, parfois même à votre insu, qu'ils se font beaucoup d'argent. Donc voilà, le contexte de la problématique, c'est que vous allez dans une grande enseigne et en fait, le vendeur, il va vous faire une souscription minute. Parfois même, vous n'avez rien à toucher, il le fait pour vous en fait. Il met un écran devant vous. Il vous montre des pages qu'il valide lui-même et à la fin, il vous demande d'apposer une signature. Et en fait, vous, dès que vous apposez votre signature, attention, vous êtes engagé. Parfois même, en fait, la signature, elle est électronique et elle n'est même pas manuscrite. Donc, avec son petit stylet, vous n'allez même pas signer le contrat et pour autant, vous l'aurez quand même souscrit. Le deuxième point, c'est la communication de votre RIB. Ne communiquez pas votre RIB puisque c'est la porte ouverte à tous les prélèvements sur votre compte. Et les gens n'ont aucune état d'âme. Et même si ce sont des tiers et qui sont réglementés, eh bien, ils n'auront aucun état d'âme à prélever de l'argent sur votre compte. Donc le contexte, je reviens, c'est de la souscription minute. C'est le vendeur en fait, qui va valider par lui-même en fait, électroniquement un contrat. Alors, j'ai envie de venir sur les risques majeurs. Alors, première chose à vérifier, si vraiment ce contrat d'assurance, pour vous, il présente des avantages. Alors, il faut déjà en premier temps vous assurer de la conformité du tiers de confiance, parce que souvent on appelle ça un tiers de confiance, effectivement, puisque vous signez un contrat, donc vous devez établir une relation de confiance avec ce tiers. Sauf que moi, je vous invite à vraiment vérifier par vous-même si ce tiers, c'est vraiment un tiers de confiance. Alors, comment?
Et bien, en fonction de ce qu'ils font, par exemple, si on reprend l'exemple de Alinéa, en fait, qui ouvre rien que pour l'achat d'une chaise ou d'un meuble ou d'un canapé, il vous ouvre un compte de crédit et de paiement. La première chose à vérifier, c'est le numéro d'agrément. Vous avez systématiquement des numéros d'agrément qui sont délivrés en fait par les autorités de contrôle prudentiel et de résolution qu'on appelle l'ACPR, qui sont en fait les gendarmes des banques et des établissements de crédit, de paiement, etc. Le problème, c'est qu'ils sont très occupés, donc ils ne peuvent pas tout vérifier. Au jour d'aujourd'hui, on a une surconsommation qui fait que, voilà, ils ont vraiment du mal à contrôler. Donc, il faut contrôler par vous-même. Donc, qu'est-ce que vous allez contrôler? La conformité du tiers avec lequel vous souscrivez. Donc, ce tiers, il doit avoir un numéro ORIAS. Il doit également avoir un numéro d'agrément. S'il est établissement de paiement, il aura un numéro d'agrément différent de celui d'établissement de crédit. Donc voilà, attention, en fonction de l'exercice du produit ou du service et des activités qu'on vous propose, il y a toujours des agréments qui doivent être, qui doivent être en face. Donc vérifiez ces agréments. Donc le risque majeur quand vous rentrez dans ces grandes enseignes, c'est que 1, eh ben, vous n'êtes même pas à l'origine de la signature du contrat et c'est le vendeur qui va le réaliser pour vous. Le deuxième point est le risque majeur de non-conformité de ces grandes enseignes, c'est que vous n'avez même pas pris connaissance du contenu du contrat, car le vendeur, en fait, il vous le passe, comme je vous l'ai expliqué, devant vous, et il le signe électroniquement pour vous. Car en fait, le fait de passer à une page comme suivant, eh ben, ça revient tout simplement à poser en fait, vos initiales en bas du document. Donc c'est comme si vous aviez pris connaissance du document. Alors, donc, le vendeur, il signe électroniquement pour vous, voire même il finalise le contrat après avoir complété vos données personnelles, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va vous pomper? Eh bien, il va vous prendre votre nom, prénom, adresse, ça s'appelle des données personnelles. Et ça a un prix. Et même si vous avez l'impression que c'est rien, ben, ces données personnelles, actuellement, ça vaut de l'or. On appelle ça le big data. Et sur vos données personnelles, de nombreuses personnes se font énormément d'argent. Il y a également de nombreuses enseignes, il est très difficile de savoir ce qu'elles font de vos données personnelles. Alors normalement, elles doivent être enregistrées à la CNIL, elles doivent avoir des engagements de protection des données personnelles, mais qui est là pour vérifier effectivement l'usage qu'elles en font? Donc bien souvent, vous vous retrouvez avec votre ligne fixe à la maison qui est complètement saturée parce que vous vous faites démarcher de tous les bords. Eh bien, vous étonnez pas parce que si vous communiquez vos données personnelles, ne faites confiance à aucun tiers. Voilà. Et dans la donnée personnelle la plus importante et la plus risquée, c'est la donnée personnelle bancaire, c'est vos RIB. Et en donnant vos RIB, vous autorisez indirectement ce tiers à aller prendre sur votre compte bancaire. Et comme ce tiers, il va prendre 15 euros, 30 euros, 40 euros, 5 euros par-ci, 4 euros par-là. Et avec toutes les démarches fastidieuses à faire pour bloquer ces prélèvements, et bien souvent, vous n'allez pas mettre en place votre protection juridique pour défendre vos droits. Donc, quand une enseigne et un tiers, il fait ça à beaucoup de clients, et bien, eux, ils se font beaucoup d'argent. Mais par contre, vous vous faites, entre guillemets, racketter. Donc voilà, ça c'était le deuxième point du risque majeur. Vous n'avez même pas pris connaissance du contrat et parfois, vous ne savez même pas que vous l'avez souscrit. Donc, troisième point, c'est vous vous êtes engagé sans même vous rendre compte. En fait, du lien et du contrat qui va vous engager avec ce tiers. Et donc, vous avez, pardon, oui, vous n'avez même pas en plus le contrat papier. Bien sûr, quand vous partez avec votre appareil, que ce soit un téléphone, une imprimante, un appareil photo, vous ne vous rendez même pas compte que vous avez souscrit ce contrat puisque vous repartez, vous n'avez même pas un document. Il n'y a pas les conditions de garantie, vous n'avez pas de contrat, donc vous ne savez même pas vous-même parfois que vous l'avez souscrit. Donc, quatrième point également, c'est que, et le quatrième risque majeur, c'est qu'en plus, vous avez souscrit un contrat et on ne vous a même pas communiqué la notice d'information qui est une obligation et qui doit être jointe au présent contrat. Et cette notice d'information, en fait, elle a lieu de vous donner les conditions de garantie. C'est bien d'avoir des listings de garantie sous 50 pages. Mais si les conditions de garantie, elles en font 800, eh bien vous allez pouvoir batailler pour demander à activer vos garanties. Donc ça, c'est intéressant à voir. Quelles vont être les conditions de garantie? Donc ça, je le parlerai dans mon point 6. Et comme je vous disais, ça c'est le quatrième risque. Vous n'avez même, donc troisième risque, vous n'avez pas le document papier.
Quatrième risque, on ne vous a même pas communiqué la notice d'information. Cinquième risque, vous n'avez même pas eu communication par voie mail de la version électronique du contrat que vous avez signé. Et pour autant, vous avez, en plus de vos données personnelles, communiqué votre adresse mail. Mais ce document ne vous est pas restitué et communiqué. Donc dans le cas 6, en fait, moi j'ai voulu parler en fait des risques de non-prise en charge des assurances. Parce que bien sûr, il y a une notice normalement qui est jointe à ces informations et qui vous dit dans quelles conditions vous allez pouvoir bénéficier de cette assurance. C'est-à-dire oxydation, casse, vol ou plein d'autres choses, ça dépend. Donc quelles sont les conditions de prise en charge des garanties? Eh bien parfois, ben, ça peut être le moyen de paiement, c'est-à-dire la date à laquelle vous avez été effectué l'achat. Par exemple, on a des cartes comme American Express, on a des conditions de garantie. Alors, si ma mémoire est bonne, il y a 4 ans de cela, quand j'avais souhaité l'activer, jamais j'ai pu l'activer. Parce que tout achat devait être réalisé par le détenteur du moyen de paiement, la carte bancaire et dans une zone géographique, et l'achat devait dater de moins de 6 mois. Donc, bref, pour activer une garantie, vous faites des dossiers qui vont vous prendre un mois et en définitive, vous n'avez aucune garantie prise en charge. Donc c'est une vraie perte de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc voilà, on va donc les conditions de garantie, ça peut, elles vont être mises en place en fonction de vos conditions de paiement, vos moyens de paiement, la date d'achat, le titulaire du moyen de paiement, la nature du matériel, de la demande, est-ce que ça rentre dans les conditions de reprise également, c'est est-ce que c'est sous condition de réserve d'achat, donc de consommation encore, ou est-ce qu'on vous rembourse l'objet en intégralité, ou est-ce qu'on va vous communiquer même, voire ce qui se fait de plus en plus, c'est des coupons. Donc en fait, vous avez une condition de reprise et de remboursement sous coupon, donc en fait, c'est une sorte de valoir, de bon d'achat. Donc vous êtes encore engagé à consommer et peut-être qu'avec un peu de chance, vous consommerez, vous achèterez un autre produit, on vous mettra peut-être une autre garantie. Donc voilà, non, je rigole, mais oui, faites très attention à vous. Vraiment, faites très attention à vous. Je trouve que c'est souvent de l'abus envers la protection du consommateur et surtout les consommateurs qui travaillent très dur et n'ont pas le temps de se renseigner sur tous les contrats qu'ils ont souscrits. Donc, dans le risque 7, je dirais qu'en fait, les grandes enseignes, gardez en tête qu'en fait, pour fonctionner et faire du business et de l'hypercapitalisme, eh ben, en fait, elles ont des partenariats qui sont quasi automatisés. Donc là, je vous ai dit la Fnac Géant qui travaille avec la SFAM, avec un partenariat. Et quand vous venez acheter donc un téléphone, un portable, un appareil photo ou bien d'autres choses, eh bien, vous ne savez même pas que vous avez souscrit en fait ce type de contrat. C'est parfois en fait souscrit automatiquement. Donc parfois vous signez sans le savoir car aucun contrat papier ne vous sera communiqué, ni même les conditions de garantie. Donc, moi je vais vous donner en fait les bonnes pratiques, c'est-à-dire la conduite à tenir. Alors oui, elle est longue, fastidieuse. Moi je suis quelqu'un qui est spécialisé dans le contrôle interne, dans le lutte contre le blanchiment, le fraude, le terrorisme. Je suis également spécialisée en fait dans le risque qualité, sécurité, environnement. Donc voilà. Donc, je suis très rigoureuse dans mes démarches. C'est peut-être beaucoup ma façon de voir les choses, mais ça ne tient qu'à vous. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si vous trouvez ça trop fastidieux, ben, il y a peut-être des moyens un peu plus directs que les miens. Mais j'ai quand même préféré vous lister l'ensemble des bonnes pratiques pour être sûr de n'avoir aucun problème. Alors là, ce qui va vous en coûter en premier lieu, c'est le temps. Mais la démarche que je vous donne de bonnes pratiques et de contrôle interne pour mettre de la qualité dans votre gestion administrative chez vous, vous pouvez la transposer à toutes vos problématiques de contrat. Donc allez, on est parti. Bonnes pratiques, je vous les cite. Alors, en 1, si vous êtes parti dans ce genre d'enseigne et que vous avez l'impression d'avoir souscrit en fait ce type de contrat, vous avez peur des prélèvements, ou dans tous les cas, vous avez communiqué votre RIP. Si vous avez communiqué votre RIP, vous êtes mort. Enfin, vous êtes mort dans le sens où vous aurez certainement des prélèvements. Il n'y a pas d'état d'âme. Donc, qu'est-ce que vous faites? 1, vous envoyez en fait un courrier en lettre accusée réception pour demander une copie de votre contrat s'il a été souscrit. 2, dans ce même courrier en accusé réception, vous demandez bien et vous exposez bien le fait que vous ne souhaitez et n'autorisez aucun prélèvement pour ce prestataire sur votre compte.
Et la copie de ce courrier, vous la communiquez à votre banque. Si vous voulez vous économiser les lettres accusé réception, vous l'envoyez par mail. Donc, je vous résume la situation. Vous entrez dans cette enseigne, vous avez les nœuds à l'estomac le soir parce que vous vous êtes fait avoir, vous avez l'impression que vous vous êtes fait embobiner, vous avez communiqué ce RIB. Donc, vous allez à la maison, vous écrivez un petit courrier. Sur ce courrier, vous retracez les conditions de souscription de ce contrat, c'est-à-dire que vous n'avez, à votre sens, pas souscrit de contrat, mais que vous avez des craintes parce que vous avez été mis face à un vendeur qui a potentiellement souscrit un contrat à votre place. Donc, pour être sûr qu'aucun prélèvement ne sera effectué sur votre compte, vous n'autorisez aucun prélèvement de cette société d'assurance sur votre compte et vous envoyez copie à votre banque. Comme ça, vous n'aurez pas les frais d'opposition à payer au regard des prélèvements qui ont pu être effectués. Donc ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, donc je vous ai dit de vous tracer par voie mail ou en lettre AR à votre banque. Si vous avez eu ces prélèvements, vous demandez à votre banque de vous apporter la preuve de l'autorisation des prélèvements qui ont été effectués. Comment est-ce que la société extérieure ou le prestataire externe ou le tiers de confiance a réussi à prélever sur votre compte? Voilà, donc ça, c'est les autorisations de prélèvement. 3. Vous procédez à une opposition par mesure de sécurité pour stopper tous les prélèvements futurs. Là, ben forcément, vous aurez un risque de frais qui sera mis en place par votre banque additionnelle. Donc là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas très logique parce que les banques, elles doivent assurer la sécurité des clients. Et normalement, les banques elles-mêmes devraient s'assurer de l'autorisation de prélèvement autorisée par le client, donc pour le tiers. Sauf que n'importe quel tiers qui détient votre RIB, eh bien, il peut aller se servir. Et normalement, la banque devrait vérifier. La banque nous demande de vérifier notre identité en cas d'ouverture de compte bancaire. Et bien, c'est pareil, quand on vient prélever de l'argent sur votre compte, la banque devrait elle-même s'assurer de la conformité du tiers et du fait que vous l'ayez bien autorisé à prélever sur votre compte. Alors, maintenant, 4. Donc, vous allez envoyer, si vous voulez poursuivre, et si vous voulez comprendre, et vous voulez protéger les droits consommateurs, eh bien, vous pouvez également envoyer un courrier AR au service consommateur ou client de l'enseigne où vous avez souscrit votre contrat, cette fois-ci, donc non plus le tiers de confiance qui est la société d'assurance ou autre, cette fois-ci, vous allez l'envoyer à l'enseigne où vous allez souscrire. Et là, en quelque sorte, vous allez dénoncer, en fait, les conditions abusives de souscription. Et ça, vous pouvez l'envoyer en copie à une association de consommateurs et voire même une copie à un avocat spécialisé en droit de la consommation. Parce que je vous rappelle, souvent dans votre contrat habitation, les banques ou vos compagnies d'assurance vous font souscrire en fait des protections juridiques ou des aides juridictionnelles ou autres. Si vous êtes par exemple au SMIC et vous n'avez pas vraiment de revenus, vous pouvez avoir automatiquement en fait une aide juridictionnelle. Donc activez-les chaque année, utilisez vos droits, protégez-vous. On ne vous fait pas de cadeaux, donc protégez-vous. Donc voilà, vous pouvez aller un peu plus loin dans la démarche. Puis après, dans le reste des bonnes pratiques, dans la bonne pratique, je dirais numéro 5, moi je vous invite à conserver toute traçabilité papier de tous vos échanges, mail, courrier et AR, soit avec les tiers de confiance avec lesquels vous avez souscrit le contrat, 2, la traçabilité avec les échanges auprès de votre banque, et numéro 3, la traçabilité que vous pouvez avoir en termes de communication auprès des enseignes que vous dénoncez, en quelque sorte. Voilà. Et j'aurais tendance à dire, voilà, en termes de bonnes pratiques et d'opportunités, afin d'éviter les prélèvements automatisés de tiers que je dirais sans confiance ou les frais d'opposition de votre banque, prémunissez-vous avant tout prélèvement, si doute il y a, envoyez un courrier AR et ne tardez pas. Mettez-y toutes les précisions. Si vous n'avez pas de numéro de contrat, précisez juste la photocopie du ticket de caisse et précisez en fait les conditions par lesquelles le vendeur a potentiellement peut-être souscrit à votre place. Et surtout, en rouge, vous notez que vous n'autorisez aucun prélèvement de ce tiers de confiance sur votre compte bancaire. Et copie
à votre banque. Et pour clôturer cette petite présentation, moi je vous rappellerai d'une, c'est ne communiquez jamais vos RIB. Jamais vos RIB. Si vous avez besoin de souscrire un contrat et un vendeur vous met la pression, c'est très bien. Demandez-lui d'éditer ce contrat. Si vraiment ce contrat il vous paraît top, eh bien, posez-vous à la maison et étudiez les conditions de garantie de ce contrat. Ne souscrivez jamais un contrat à la volée et à la va-vite. Voilà. Ben, j'espère que ces éléments, ça aura pu vous aider, que ça va vous donner l'opportunité également de mieux vous défendre et de protéger vos droits et surtout d'éviter des frais de gestion ou des frais de prélèvement inutiles et qui seraient complètement indépendants de votre volonté. Voilà, je vous dis à bientôt pour un YEPA épisode et un YEPA thème. J'espère que ça vous aura plu et si vous sentez que dans votre entourage, cet élément d'information peut aider quelqu'un ou est susceptible d'aider quelqu'un qui rencontre des difficultés actuellement, eh bien diffusez. Personnellement, je n'attends aucun échange dans le but d'assouvir une notoriété ou quelque chose de personnel. Je n'ai aucun ego. Absolument aucun. Tout ce qui m'importe, c'est de rendre la vie peut-être un peu plus facile pour chacun, parce que je considère que, voilà, on a tous nos difficultés, mais la vie, elle est facile pour personne. Donc, défendez-vous et un peu de qualité dans vos vies, et je vous assure que vous y gagnez du temps et de l'argent. À bientôt! Yepa!